J'appelle ça un puzzle. Cool. Allez Kratos, allez Kratos. Voilà, bien. Rick, faut que tu les brises en un seul coup. Ah ouais? Sans doute. Merci. On a un nouveau, nouvel objet. Qu'est-ce qu'on vient de récupérer? Non, c'est armure, je suis pas dans armure. Merde, putain, je fais de la merde. Oh! Oh le con, qu'est-ce qu'on avait d'équipé? C'est ça. Amulette de Kvasir plus. Une esquive in extremis parfaitement synchronisée déclenche un glissement du royaume qui ralentit les ennemis aux alentours. Ah, bah on va tester. Wow, cool. Hors de question. Vas-y, refais. Sympathique, non? Sympathique. Est-ce que j'ai remis la bonne pierre ou pas? Putain, pouvoir. Je vais juste regarder une seconde ce qu'on a. Tiens, la grâce, tenir un don de défense, santé, le parade réussi. On va peut-être mettre ça à la place, non? Santé. On va mettre la santé, la parade. Enfin, je crois. Quoique non, c'est les stats, elles sont bonnes. 10, 10, 10, non, c'est bon. Ouais, c'est ça! C'est bon? C'est bon. Plutôt cool, les nouvelles habilités. J'aime bien. Plutôt sympa. Un peu
D'après Sindri, Mère était une guerrière. Elle faisait la guerre aussi. En quelque sorte, sa famille a été décimée par une famille rivale, et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer. La porte bleue, ça doit être l'entrée. Allons-y. Fais attention, Atreus. Qu'est-ce qu'ils font ? Le pont a disparu. Ils ont recouvert le cristal de cette chose. Pourquoi ? Pour empêcher l'arrivée des renforts. C'est parti ! Oh merde. Ah oui, c'est vrai que les elfes ne peuvent pas voler. Pas exactement. Quand ils tombent. Touché. Attrape-le. Je vais l'éliminer. Allez, ciao. Simple les elfes. Moi j'aime bien les combattre. Oui, ça a marché. Enfin, je crois. Je suis avec toi. Oh putain. Aïe. Je ne fais pas sortir mon... ma hache. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent ? Nous sommes sur leur territoire. Attends, si on les associe comme ça, ça ressemble un peu à une rune. Et ça veut rien dire. Viens, retournons à la vasque de sable. Piou. On va passer en dessous. Piou. Le boss. Brock et Sindri ont conçu la hache pour aider Mère à survivre. Des elle avait la force de manier une telle arme. C'était bien, j'aimais et bien. Et la sagesse d'en faire bon usage. Nous continuerons plus tard. Père, les piliers et l'anneau forment une rune elfique. Quelle est la question ? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre. Mais en toi, je rends la vie plus pure. Yeah. Oui, c'est forcément l'eau. Oh, gamin! Atreus! C'était encore des voix. Mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas en colère. Elles demandaient de l'aide. Nous sommes là pour la lumière. Je me fiche de ces voix et de ce qu'elles veulent. Tu te fiches de tout, de toute façon. Tu as quelque chose à me dire? Non. Love. C'est vrai que le début, c'est, un... enfin, c'est comique. Qu'est-ce le début. Mais regarde ce qu'on a trouvé. De le revoir comme ça, vu qu'on sait déjà ce qui se passe, avec Atreus qui arrête pas de répondre à son père. Père. Oui. Les voix que j'ai entendues,
Elles étaient dures à distinguer, mais dans le fond, je suis presque certain d'avoir reconnu maman. C'est impossible. Mais je sais ce que j'ai entendu. Atreus, ça suffit. Il est pas comme les autres. T'as vu ses cornes? Mets-toi derrière moi. C'est pas bon signe. C'est parti! Il y a des bestioles en plus. On est censé rencontrer que des elfes noirs ici. Oh, wow, les dégâts. Trop de monde, c'est le bordel. Merde, j'ai cancel le deuxième coup. Ça y est, ça commence les combats. Les combats modifiés, ça commence. On peut s'en aller d'ici. Tiens-toi prêt. Quoi ? Des ennemis devant ! Où ça ? Ah là. Ouais, Atreus est beaucoup plus réactif. Genre les... Le fait de... D'attraper les mecs et les mettre par terre, tout ça, il le fait plus souvent. Ça a pas marché? Avec la nouvelle armure qu'on lui a donnée. Voilà. L'armure en rouge. J'allais dire en or, mais non, en rouge. Un truc qu'on pourrait tester, parce que je... en combat en fait ça arrive quasiment jamais, et j'ai vraiment envie de le tester, c'est ça. Écureuil moqueur. Consommable, on va voir.
vois. Malin. C'est bon? Non. Je crois qu'il faut descendre complètement. Tu crois que ce couloir latéral mène au temple? On va bientôt le savoir. Notre armure est censée faire exploser les consommables qu'on trouve. Mais on n'arrive jamais à le faire en combat en fait. Je me rappelle plus comment on passe par là. C'est un chemin. Il est où le chemin? Il est en dessous. Ah oui, non, c'est là. Et voilà. Maintenant, on peut partir. C'est un peu long, mais... Ça va, Atreus? Tranquille. T'avais tort tout à l'heure. Ah oui? On connaîtrait la voix de maman entre mille. C'était elle. Elle nous a quittés, Atreus. Inutile d'en parler. D'accord. Inutile d'en parler. Pas faire le rocher. Mais apparemment le rocher. Non. Parti. Ouh, wow, ok. Ça les fait tous Merci. Voler comme ça, les à chaque fois de récupérer des pierres, ça va être cool.
à la drogue. Une. On peut pas traverser. Dommage que la corde d'arc de la sorcière ne fonctionne plus. Je sais. Ça sera pour plus tard. Ah, au fond. J'avais pas distingué la deuxième racine. Ah, perle de colère. Et de l'acier doux. Tu crois que la sorcière va bien? Je m'en voudrais de savoir qu'elle est morte en essayant de nous aider. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui. Oh. Ah, encore cette chose. Si on en coupe suffisamment, le pont en dessous de nous devrait réapparaître. D'accord. Ça ne va pas être si simple. Oui. Il faut monter. Ouais, faut monter. Chercher encore des racines. Écureuil moqueur. Ça. On peut s'en servir contre lui. Ça va, il fait pas très mal. Ah merde. Yeah.
Partez. Tu m'en suis bien sorti? Tu t'amélioreras avec la pratique. Ça y est, la voilà. Couvre nos arrières. Il faudrait une certaine synergie avec l'armure qu'on porte. Ouais, je pense que l'écureuil est pas mal. Ça fait apparaître des machins. Non, faut pas. Kratos. Kratos. Ah, coffre. Ah voilà. Tu la gèles d'abord. Pas bête. Eh ouais, Kratos est pas bête. Ça a marché, on a fait réapparaître le pont principal. Yeah. Il faut trouver un moyen de monter. On avance tellement plus vite comparé à la première fois, putain. La lumière ne crée pas que des ponts, on dirait. Ça nous permettra peut-être de remonter. Enfin, on avait lutté, c'est normal. C'était la première fois. Au passage, merci beaucoup pour les follow que je viens de complètement rater. Désolé. Remind boy. Oh boy. La blague de God of War. Boy. Un truc que j'aime pas en version originale, pourtant moi je suis très version originale sur les jeux. Je déteste les versions, les VF en fait. La plupart du temps. Je m'habituerai jamais à marcher sur cette lumière solide. Mais celle de God of War est quand même pas mal. Et La porte, il n'y a pas de séparation. Quoi ? On a un problème. Et en anglais, dans la VO, en anglais, dans God of War, il dit toujours boy. Et ça me... Enfin, je sais pas, j'aime encore pas trop. Encore le nain. Sindri ? Enfin, je sais pas, c'est chiant. Par ici. Je trouve ça... bof. Boy. Encore de ce côté. Cette géante est une sorcière. Elle s'appelle Groa. Elle avait des visions. On peut lui parler. Ah ouais, merde, l'autre, le gosse, il est occupé, on peut pas lui parler. Est-ce qu'Odin l'a tué pour Attends. Son livre ? Si je fais ça. Hop là. Comment ça se fait que Brock soit bleu et pas toi ? Atreus. Non, ça va, c'est une très bonne question, à vrai dire. Vois-tu, mon frère n'est pas aussi prudent que moi. Il préfère travailler les métaux. Ah, à main nue ! Sans gants ! Il affirme que c'est le seul moyen pour lui d'améliorer. Ah oui, on a les deux. Seulement, à force d'être au contact de l'argent pur. Oui, on a vitalité concentrée. Ah oui, mais ça c'est du soin, c'est mieux vaut ne pas lui en parler. Je sais pas, c'est bof. C'est à quel point il est susceptible. Oui, je suppose. Et après on a les esquives, ralentit le temps en esquive. Je sais pas. Je sais pas, pour l'instant, le talisman qu'on a, c'est... C'est le plus intéressant. Après, on pourra en fabriquer d'autres, octroyant un accès de rage possède également l'effet passif qui augmente la quantité de rage obtenue au combat et la durée de la rage par... Ça, c'est pas mal, ça. Mais bon, on n'est pas vraiment rage, en fait. Dans notre équipement maintenant, on n'est plus vraiment rage. Et là, réinitialise le temps de récupération de toutes les runes. Possède également l'effet passif qui augmente les runes pendant la récupération des attaques runiques. Ça, c'est pas mal. Ça réinitialise toutes les attaques runiques. C'est top. Top. Ah tiens, on pourrait prendre une deuxième partie. Cool. Je pense qu'on va prendre ça.
Afin d'obtenir un atout de grâce runique. On va en prendre ça. L'utilisation d'une pierre de santé ou d'une pierre de rage offre une barrière protectrice qui immunise contre les dégâts des attaques ennemies. C'est pas mal. Pas mal. Et l'autre, c'est... Si la barre de santé Kratos est pleine, les pierres de guérison augmentent sa rage. Si la barre de rage de Kratos est pleine, les pierres de rage augmentent sa santé. Non, c'est peut-être mieux ça, en fait. C'est peut-être mieux ça. Comme ça, on pourra tout prendre. Genre là, ça va augmenter ma rage. Waouh. Ça, c'est cool. C'est cool. Alors, œil du pouvoir, écaille et cœur. Ah, on en a d'autres aussi. Alors, œil du pouvoir. Écaille et cœur, c'est ça? Écaille et cœur. C'est ça? J'en ai trop des trucs, putain. Alors, chance modérée d'obtenir un bref bonus rune, force ou défense à chaque coup réussi. Ouais, ça c'est bien. Force d'obtenir un bonus de force, il y a un regain de santé quand la santé Kratos atteint un niveau critique. Donc, c'est pas mal. Et augmente la résistance aux dégâts de brûlure. Il n'y a pas mieux quand même. La parade a l'air mieux quand même. À chaque coup. Ça, on va le laisser parce que un bonus à chaque coup, c'est quand même bien. Résistance aux brûlures, c'est pas top. Un regain à chaque parade. Parade, on en fait beaucoup quand même. Aller de l'autre côté d'abord. Ah non. Peut-être analyser ça d'abord. Ces portes ne s'ouvrent pas. Eh oh ! Je comprends pas. Pourquoi construire des portes dans ce cas ? Eh oh ! Viens, on va trouver un autre moyen d'entrer. Encore ces cloches. Il doit y avoir un coffre d'énorme quelque part. Une, elle est où l'autre? Là. D'accord. T'es sérieux? Attends. Ah, c'est la dernière celle-là qu'il faut. Ok, d'accord. Ah,
gros, elle est contre le mur, donc elle, elle tangue pas assez, pas assez longtemps en tout cas. Faudrait qu'on vende toutes les reliques qu'on a récupérées. Que certaines sont pas utiles. Sindri, pourquoi tu te réconcilies pas avec ton frère? Parce que c'est une insupportable tête de mule, incapable d'évoluer. Parce qu'il dit des choses affreuses sur mon compte, pour masquer ses complexes vis-à-vis de son travail qui, disons-le, laisse totalement à désirer. Et parce qu'il m'accuse de choses que je n'ai pas faites. Hein? Comme quoi? Tu veux bien m'excuser? J'aimerais reprendre mes esprits. Bon, si besoin est, je ne bouge pas d'ici. Ça marche. Après nous on va prendre le set complet God of War, mais on n'a pas vraiment besoin en fait. Évidemment. On pourrait prendre différentes parties d'armure. Pam, pam. J'adore quand la brume de guérison s'active sur la hache, ça fait super classe. On a réussi. C'est super stylé. Il y a toute une brume qui entoure la hache en fait. Vert. Stylé. Merci gamin. La vache, ok. Merci. Ah oui, c'est vrai qu'il peut me balancer des... J'ai eu du mal à arrêter les trucs qui volent. Ça devait être magnifique avant que les elfes noirs détruisent tout. J'aurais dû utiliser mes runes, genre les runes de la dague du chaos là. Faire pleuvoir des météores, hop, comme ça. Waouh! Ça c'est incroyable! Comme ça, pas de problème. C'est de l'autre côté, je crois.
Salut Hyper, bienvenue. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Oh, Derrière. Loki, attends-moi. On a deux parties de la nouvelle armure. Donc ça va, c'est cool. Bientôt la troisième partie. Je me suis fait vraiment défoncer par les trucs volants. Ça, c'est vraiment des merdes, ces machins. Je vais faire full rune la prochaine fois qu'on envoie. Là, la lumière. Ils l'ont recouverte de cette chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Regarde, un autre elfe blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Pourquoi il le tue? Il a rien fait. Arrête de supposer. Tu assistes à la fin d'une guerre, Atreus. Tu ignores comment ils en sont arrivés là. Mais il s'est même pas défendu. C'était son choix. Nous faisons les nôtres. C'est vrai. Ça va les mecs? Je suis avec toi. Ouais, la nouvelle armure est cool. Les nouvelles habilités sont sympas. Bien joué. Ok, on va aller chercher. Boum! Boum! Et maintenant? La lumière est tout près. Cherche un passage. Là, les explosions étaient cool. Grâce à la nouvelle armure. Là, c'était pas mal. Ça les projette surtout. Ça projette les ennemis en plus. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Genre quand il y en a plein comme ça autour. Oh cool. Et l'écureuil est devenu utile. L'écureuil est devenu super utile. Oups. Ça a marché. Regarde, d'autres points de lumière. Suis-moi. Ah. C'est quelle armure de Loki qui donne runique légendaire et combattant légendaire? Runique légendaire, pierre de guérison, amélioration de la pierre de guérison. Harmonie ironique, vos flèches infligent des dégâts supplémentaires pendant 8 secondes. Ah, ok. Et après, c'est quoi? Combattant légendaire. Je me rappelle plus combattant légendaire. Je crois que c'est le corps à corps, le combattant légendaire. Tout ce qui est corps à corps. Genre, il attrape les ennemis, machin, et tout ça. Ah non! 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 C'est bon. Eux ils font mal. Eux ils font mal. Oh merde.
jouer. On m'a égavé. Ah oui, contre le mur, ah oui. Ciao. Putain, elle était loin la hache. Elle a mis du temps à revenir. Elle est tombée dans le gouffre sans fin. Ouais, j'ai vu dans le magasin, il y a une armure d'Atreus avec les trois. Avec les trois bonus. Là, j'en ai deux pour le moment. Établis tous les passages. Ah, logiquement, on va monter pas mal de niveaux quand on aura monté les nouvelles armures, en fait. Ça va devenir intéressant. Let's go. Pousse-toi, gamin. Ah oui, oh là-bas c'est chiant ici. Là. Là. Et là. Non. 3 par 3 encore. 3 par 3. Je pense pas qu'on devrait être là. Silence. Ah, économiser les perles pour une armure plus haute que la God of War. Ah, je sais pas si ça va être possible. Quoique c'est possible, parce que moi j'en ai 3 débloqués pour le moment. Enfin, que je peux acheter. Donc la God of War. Entendu. Reste sur tes gardes et ne t'éloigne pas. Après, il y a la Vagabond Plus. Dis. Et après, il y en a une autre encore. Lumière. Quelque chose plus. La sorcière a dit d'entrer dedans. Vraiment ? Juste avant d'être arraché à ce royaume. Donc ouais, c'est possible qu'il y en ait des murs encore. Tu étais plus préoccupé par son sort que par notre objectif. Silence. Je le tiens. Ton couteau, vite. Ancien plus, ouais. C'est pas passé loin. Bah en fait les anciens et vagabonds, si je me rappelle un peu des stats, elles sont très spécialisées dans certaines stats, genre vitalité pour l'ancien, un truc comme ça, ou défense, machin. Alors que God of War, bon, elle a des stats un peu plus dans d'autres caractéristiques. Ginanuna ! On voit là un autre ! Reste là ! Aide-moi ! La lumière ! Chut ! Nous sommes tout près du but. Gamin ! Et on doit rester prudent. Ta bouche. Compris. Moi j'étais en full Valkyrie. Quand j'ai commencé Megan Plus. Là, quand ça tombera, tiens-toi prêt. On devra faire vite. Ça va être le bordel. Saute, Atreus. D'accord. Attention. Ils arrivent. Suis-moi. Il y en a tellement.
l'enfer. Merde. Que dalle. Réduis l'intervalle entre tes volets. Tu m'avais dit la précision avant la vitesse. Il y a des cibles partout. Tu ne peux pas les rater. L'étroitesse du chemin devrait les retenir. Reste boom, concentré. Boum, boum, boum. Pourquoi je sors pas les lames du chaos? Chou. Tous les bonus qui s'activent, c'est cool. Atreus. Tellement stylé. Tu es blessé? Non, ça va. Les Valkyries, j'ai peur que les Valkyries en fait fassent du. C'est magnifique. Du one shot en fait. Tout simplement. Genre elle te touche, tu meurs. Ça serait un peu con. Ça serait pas la vraiment lumière, drôle. Elle fait réapparaître le temple tout entier. C'est la source de tout. Il faut que tu reviennes. Tu m'as laissé tout seul. Atreus. Avec lui. Oh. Avec lui. Laisse ton père. Il part sans arrêt. Il est jamais là. Il veut pas de moi et il m'acceptera jamais. Je sais rien de lui, et il sait rien de moi. Mais je l'intéresse pas. Je suis fort et intelligent. Ah, on est sur je le bateau de Helheim. Je sais que j'ai raison. Il me parle jamais. Il veut rien m'apprendre. Ça aurait dû être lui. Tu m'entends? Lui, pas toi. Le feu fait trop trop mal, limite du one-shot à eux. Mais... je le pense pas vraiment. Tu sais que je l'aime. Je voudrais juste qu'il soit meilleur. Je sais qu'il en est capable. Je vais aller faire après les choses secondaires. Quand j'aurai fini avec les elfes. Efforts, j'en ferai aussi. Les elfes à la mais con. Sinon... je t'en prie, reviens. Je sais que t'es là. En fait, on est bloqué là. Mais une fois que j'aurai fini ça, on va vadrouiller dans Midgard. J'aime bien ce moment. Minute. Non! T'es parti vraiment très longtemps! Je savais plus quoi faire, tu m'as abandonné! Encore une fois! Pourquoi tu t'en fiches? C'est impossible. Eh ouais. On devrait partir avant qu'ils reviennent. Le prochain J'espère God of War. Que t'as trouvé ce que tu cherchais. Le prochain God of War, c'est la mort de Kratos. C'est quasiment obligé. Oui. Il y a trop eu de jeux sur Kratos. Faut qu'il passe à autre on chose, je pense. Grâce à ça. Mais il y a pas de lumière pour créer un pont. On est coincé. Et la corde d'arc de la sorcière ne sert à rien.
Ah mais regarde ce que j'ai, gamin. Atreus, ton arc. Tiens-le. Ça va être la fin de Kratos, peut-être. Genre, on combat Thor. Kratos se fait tuer. Et après, on contrôlera... Quand je te le dirai, lance ta flèche sur la pierre. On contrôlera Atreus, qui sera plus vieux. Et il apportera le Ragnarok. Sur... On peut rebrousser chemin, maintenant. Sur Odin Tiens. Et compagnie. Moi, je le vois bien comme ça. Il y a un cristal lumineux, là juste devant. Il pourrait peut-être nous aider à quitter cet endroit. Ah oui, c'est vrai qu'il faut récupérer les cristaux. Par là. Boing, boing. T'es parti vachement longtemps. Perle de colère. Pam 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 pam. Je pense pas qu'on pourra le contrôler si jeune, je pense que Thor et encore moins Odin laissent assez longtemps pour qu'il vive en paix encore quelques années. Je sais pas. Parce que quasiment obligé qu'à un moment ou un autre, Kratos va mourir, quoi. Et c'est vrai que Freya elle va chercher, elle va récupérer ses ailes sûrement. Et merde. Freya je la vois bien en boss récurrent qui fait que revenir en fait. Qui nous poursuit. Madame va récupérer ses ailes, elle va redevenir une Valkyrie. Elle va nous faire chier. Elle va vouloir se venger. Ah non, de l'autre côté. Ok, on peut monter. Je me rappelle pourquoi on montrait. Ça sert à quoi de monter? Retour là. Ah non, mais c'est pour réactiver le cristal, d'accord. Je fais de la merde. Oh, le puzzle qui me prend trop de temps. T'es sérieux là ou qu'est-ce que... C'est moi qui me rappelle plus comment faire ça ou qu'est-ce qui se passe? Là il y en a trois à faire d'affilée.
On va monter. Bah, on a vu qu'Atreus pouvait devenir... pouvait s'énerver, en fait. Atreus pouvait facilement s'énerver quand il a appris qu'il pouvait... qu'il était devenu un dieu, là. Et il a même... poignardé, il a même essayé de tuer... un des frères, là. Donc Atreus quand même peut devenir plus ou moins méchant. Donc s'il perd son père, c'est possible qu'il devienne extrêmement... violent. Putain, mais je suis con ou quoi là? Là, on l'a fait revenir. Non. Oh le con. Oh le putain d'abruti. Attendez, chaud. Oh merde. Voilà, à parler, je fais pas, je fais plus attention à ce qui m'entoure en fait. Désolé. Allez, tire, tire. Remontons à la surface. Y'a rien d'autre ? Atreus devient le méchant et Kratos le combat ? Je sais pas. Enfin, j'espère pas que ça va être ça, parce que ça sera un peu con quand même. Bah moi j'aime bien Atreus. Viens ici. On récupère de la rage. Ça c'est top. Magnifique cette armure. Récupère de la rage quand notre vie est pleine. On est encore bloqué. T'arrêtes de te plaindre. Merde. Ok, ok, vous me faites chier. Sont où les autres? Oh, ça va? Ah, attends! Je voulais te couper la tête!
Après, c'est vrai que, oui, logiquement, c'est le... Loki, c'est un des fils d'Odin. Enfin, un des fils, oui, plus ou moins, quoi, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Je me rappelle plus. C'est possible qu'il y ait... genre un secret avec sa femme, peut-être. Genre Kratos est pas vraiment le père. Connerie comme ça. Atreus. Oui, logiquement, c'est le fils adoptif, je sais. C'est pour ça que j'ai dit le fils, entre parenthèses. Tiens, tiens, la porte bleue qui n'est pas une porte. Et une vasque de sable. Et comment je suis censé l'attendre? Ah merde, faut récupérer le truc, le cristal. Tada! Eh ho, eh ho, on rentre le boulot. Tu comptes emporter ça partout? Pourquoi pas? C'est où en premier, c'est là? Compétences que j'avais pas acheté. Si. Ah, on les a juste débloquées en fait. Enfin, logique.